Hey guys, je suis très excité live car aujourd'hui est le grand jour. Je sais pas si vous avez suivi notre trip en République Dominicaine pour le Bachelor à notre boy Steph. Eh bien, c'est aujourd'hui que Steph et Anam se marient et on est très, 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 très prêts. Ah oui, je devrais préciser que c'est un mariage à thématique cowboy versus indien. Let's go! Premier arrêt, j'ai clairement pas le temps, je suis très en retard, comme toujours. Je suis moi, mon boy Félix, ici, Crown Saint-Laurent. On se fait, je sais pas, je pense qu'on se fait, Félix, c'est quoi qu'on essaye? Qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. On essaie quelque chose de western, je pense. Évidemment, je suis arrivé ici, j'ai dit à Félix, t'as 2 minutes, fais-moi quelque chose de western. Il m'a dit, fais-tu une photo à l'appui? J'ai dit non. Félix travaille pas. J'ai mon chum Justin qui m'a envoyé une photo cette semaine. Il bat des records avec sa barbe qui est venu se faire ici pour le mariage. Je pense pas pouvoir raconter ça, mais là, je stresse un peu Félix là en ce moment. J'ai descendu ça de même ici. Vas-y, man. Je te place, mon gars. Bon, regardez ici, mon gars. Je te jure, c'est bon. On commence à avoir de quoi, là. On a quoi? On lâche pas en crise. Ouais, ça s'en vient, là. Et voilà, man. Et voilà. All right. Bon, c'est l'heure de se préparer avant de partir, rejoindre tout le monde au mariage. Beau petit costume, je vous présente la suite dans un instant. Et voilà, avec un chapeau sur mesure. Pour l'occasion. Ça le fait, Félix? T'as bro, Félix? Let's go! OK, là, tout va bien. Tabarnak, regarde. Le beau costume. Un chapeau sur mesure. Je suis même allé acheter des éperons. Moi, c'est all in or nothing. Et voilà, comme les vrais cowboys. Costume est en pointe. La barbe, on a fait ce qu'on a pu faire avec mon poil de poche que j'ai d'en face. On a de l'alcool, on a tout ce qu'il faut. Reste plus qu'arriver à temps, chose que je ne risque pas d'être capable d'exécuter. Mais j'étais allé checker les stories vite vite sur Instagram, puis il y a plein de monde en retard. J'ai vu mon grand Chris de Chumblay en train de s'acheter de la bière il y a 15 minutes, donc il est clairement pas arrivé. J'ai vu Vinny qui filmait un nuage, donc il est clairement sur la route. Sinon, j'ai pas encore vu de story de la cérémonie, donc je devrais être à l'heure. Ou à peu près. On fait ça vite, mais c'est sûr qu'en vieille Cadillac 77, c'est un peu difficile de rouler trop vite, hein? On cruise. Mais anyway, moi, je m'en vais pas là pour toutes les histoires d'amour pis de fla-fla, là. Moi, je m'en vais là pour le party. Fait que ça, je devrais pas le manquer, du moins. Mais c'est sûr que ce serait le fun de voir mon chum Steph se marier, là. Après toute l'énergie, le temps et l'argent qu'on a mis dans son bachelor, je pense que ce serait le fun d'être là au moment où il marie Anand. Donc, on perd plus de temps et on se rend à ce mariage qui risque d'être assez légendaire. Steph, il nous fait signe qu'il faut y aller. T'es vrai? On pense qu'on est en retard. Quand le marié nous dit qu'on est en retard, c'est mauvais signe. Que les choses se passent. Va-tu falloir j'enligne quelqu'un ici? On y va, let's go! Et pour être sûr de te séduire, j'ai menti sur mon âge. J'ai dit que j'avais 32 ans.
Mais dans le fond, c'est ça, j'ai comme inversé les chiffres, j'avais 23 ans dans le temps. Je connais ce talent, tu sais. Je suis content, je vais pouvoir dire que ma femme est chaude en salle. Je te promets de faire tout pour toi, mais jamais je vais changer la litière des chats. Aucun nom, ma chère, je touche pas à tes chats. Tes crottes de yeux, tout ça. Ah, donc, j'en veux pas. Oh, oh. Je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Stéphane, embrassez la mariée. Je pense que tu viens de gagner, hein? C'est quelle heure il est, mon cher homme? Ça fait 20 ans qu'il est 3 heures. Dude, quand t'es riche, c'est 15 heures. Tu peux pas dire 3 heures puis être beau de même. Ouais, Robidou! La place! Oh, Christ, t'es proche en plus! Ouais! Ah, ouais, Robidou! Ça me reprend! Oh! Il m'a fait! Cabral! Belé, c'est top, là! Cabral! Ah! Mais quel rabat-joie! Asti que t'es beau! Asti que t'es beau! Hey, toi, on était ennemis par contre ce soir! Toi, t'es beau! Ah, tabarnak! Il est beau bonhomme, la cité! C'est pas moi qui l'a dit! Je suis avec la mariée! Hey, mon Steph! Bon, tiens. Cheers! Cheers, les boys! Santé! Checkez-moi cette belle tarouche de Gaël! Fabio! Fabio ce soir! Fabio, cowboy fashionista! Hey, Steph! Je suis le cowboy qui a le plus voyagé à travers la planète Terre. J'amène la mode dans le western. Alors, ici, c'est un tigre que j'ai tué. Hein? Et ici, un filet de truite. Regarde! Un braconnier, ce Fabio! Filet de truite, 100% bio. La mode, ça traverse les années. Vinny, j'ai essayé de me faire une barbe avec le peu que j'ai, mais... No. T'as quand même gagné ça, je pense. Travailler très fort. Ça fait 10 ans que je l'avais poussé, juste pour le mariage. Il y a Justin qui est en compétition avec toi, mais je pense ouais, que... Ouais, même. T'as de quoi là? C'est très, très fort, très fort. Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe, mais il y a mon chum qui vient de se fucking marier. Thématique western. Puis les gens se donnent vraiment trop. Mon chum est débarqué en fucking zipline pour se marier pendant que sa femme est arrivée en cheval. C'est un vrai... Et regardez ça. Dites-moi que ça a pas l'air d'une vraie scène de western, Calis. Gros props à Stéphane qui a osé put up ce parfait event pour son mariage. Vous êtes un assis gang de malade, let's go! Oh my god! Hey, ma gueule! On fait une tente, il y a 20 minutes, mais l'attente est rendue coulée. Regardez-les! S'ils apprécient leur bière! Ça, c'est de la bière appréciée! C'est apprécié à 100%! Mon chum Jeff, il y a un petit cadeau pour toi. Steph, es-tu prêt pour ton cadeau? Ouais, je suis prêt! Ok, on y va, je vais avoir ton cadeau, mon gars. Hey, mes ans, ah ouais, David Denner, le tank des pitounes, man. Le CIA, là, il est présent, man. David Denner, yes, man. Là, man. Le gars, il est présent. On demande, David Denner, il se lève debout de la main à les airs. Ça, t'as des grills. C'est hot. Hey, moi, ça me coûte. Black gold. Hey. Ah non, mais c'est 100 pièces là-dedans. Black gold. 100 pièces là-dedans, mes frères. Ça, c'est du black gold, ça vaut cher, c'est le marché. Dans la rue. Dans le marché noir. C'est un mariage cowboy indien. Moi, je suis indien. Moi, nous, on est cowboy, mais il y a un gars en robot. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là,
je vais au D avec Stéphane, le 5-6 mois. Le 5-6 mois, il perd au D, Stéphane a dit, je pogne un 4, tu te déguises en robot à mon mariage. Star, il a sorti 4, le gars est avant Nest. Il est venu en robot. Il est venu en Nest, beau robot aussi, il a bien fait, il a pas choqué. Je veux voir le robot. C'est un gars solide, on va le trouver ton robot. Il est venu en robot. On trouve le robot, man. Je peux pas croire. J'arrive à la cérémonie, tout le monde est bien aiguisé. Puis il y a un calice de robot derrière, debout, qui regarde les, nos chums se marier. Il parle pas en plus. Il dit rien. Il dit pas tout. Moi, je suis allé voir, je dis, hey, Simon, les gars, ouais. Il dit rien. C'est un vrai robot, man. Il est où le robot? Baker. On trouve le robot. Hey, ok, les gars. Les gars, on les vise. On les vise. Hey, hey. Oh, les gars, on les vise. Alors, c'est un clown, man. Mon chum Ross va monter en haut, on va tirer avec un gun à blanc. Attention! Steph, sans les moves! Steph comes back from his bachelor party and I'm like, bonjour. Shit, your dick looks fucked up. Let's go. Because we fucked up his dick on the trip. It's correct, chum. The nurse is like, okay, the doctor will be in soon. She's gonna check you out. And then me and Steph are laughing because we're like, it's a girl. She's gonna look at your dick. Doctor comes in. As she's looking at Steph's dick, I say, wait a minute. Ganyan? And she looks at me and she says, Anam de Pekor. What the fuck? So you knew the doctor. I knew that was looking at your broken future husband's dick. Exactly. Alright guys, je viens de trouver le fameux robot, il arrive à l'instant. Le gars qui a perdu un pari, man! Le respecteur de Paris! Il n'y a pas de cowboy police, c'est trop beau! Ils se ressemblent en esti ces deux calices là. Ils sont beaux, man. On m'a dit que t'as perdu un pari il y a 6 mois. T'as respecté le pari. T'as tout l'honneur du monde, man. T'es venu en robot dans un mariage western. Très fort. Hey, les Indiens, les cowboys, on peut-tu faire la paix? It honestly, like, it haunts me that it was like... Wow! Oh my god! We're holding your mouth! Go for the mother, she knew about that. Go! Go! Top! Woo! Fucking bon sang! You're my man, man! J'ai plus de pantalon! Je suis pas des pants! J'ai plus de pantalon! Freddy! Ça arrive au meilleur d'entre nous, Freddy! Ça arrive au meilleur d'entre nous!
Oh! Chacun! Un peu de gaz à soir! Le gaz n'est pas donné ces temps-ci, hein? Merci mon job! Merci mon job! Je suis dans le vous dites. Ok! C'est assez pour ce qui est de la caméra vlog ici. Je suis plus capable de traîner ça sur un mariage. Je commence à défoncer. Mon chum aussi. Il vous fait un petit tour de guide pour le soir. Mais moi, je collais ça dans la Cadillac et je sors mon cellulaire. Et maintenant, on passe en mode vertical. Story, recap, Snapchat, Instagram. Ça se passe dans des vrais Stéphane. Alright, merci d'avoir checké mon tout premier vlog, guys. Je suis vraiment content d'enfin release ça. Ça fait plus d'un an que je capture des soirées, des moments avec cette caméra-là pour vous faire un YouTube channel puis release des vlogs. Mais comme j'avais aucun temps pour faire du montage, je me suis enfin trouvé un monteur. Et là, j'ai plein de petits bijoux qui s'en viennent, plein de beaux moments, des anciens et des nouveaux que je vais faire éditer et que je vais release ici sur ce channel-là. La raison pourquoi j'ai décidé de commencer tout ça avec le fameux mariage à Steph et Anam, c'est parce que ça fait exactement un an qu'ils sont mariés. Félicitations, guys, je vous aime. Je leur fais une petite surprise. Release ça pour leur un an, histoire de le souligner. Et aussi parce que c'est juste clairement la soirée la plus fucking légendaire, no joke, de toute ma vie à ce jour. C'est de loin la plus belle journée slash soirée de toute ma vie. Donc félicitations Steph, merci d'avoir fait cette crise de party-là de malade pour ton mariage. Et merci Anam d'avoir accepté toutes les idées folles de ton mari Stéphane. Vous êtes des légendes. Ah, je suis pas trop habitué de finir ça des vidéos YouTube. Moi c'est mon premier, donc I guess like, share, subscribe je pense sur YouTube. Je sais pas, Calis. Rends-moi donc populaire là-dessus, quelqu'un. Come on, go!